الحمد لله رب العالمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى، من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين. ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم صلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد يقول الله تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت الله سبحانه وتعالى عديدًا في القران الكريم que tout un va goûter لكن هنئاً لمن كان ذكر الموت منه على بال فلا يغفل عنه مي بون نوفيل a celui qui pense souvent à la mort et il n'est jamais distrait de la mort قال بعض الصالحين لو غاب عن قلبي ذكر الموت سعل لخشيت عليه ان يفسد par un parmi les saints il a dit si je serais, si je serai distrait de la mort de penser à la mort une heure euh, j'ai peur que mon état change j'ai peur que mon état change le Nabi a dit pensez souvent على شيء يDomin ou qui étouffe qui les plaisirs et il a dit et on a expliqué هذا اخرجه النسائي وابن ماجه وفي حديث اخر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه اللذات قلنا يا رسول الله وما هذه اللذات Alors, Abu Na'im a rapporté de Sayyidina Omar al-Khattab qu'il a dit que le messager de Dieu a dit Pensez souvent à celui qui, qui, qui vaincre, qui vaincre, qui domine, qui étouffe les, les plaisirs. Et on a dit au messager de Dieu Lequel qui La chose qui domine ou qui maîtrise ليبليزيغ إلى دي عليه الصلاة والسلام لاموخ إذا لو تذكرت الموت تهون عليك المصائب إن كنت في ضيق هون عليك الموت ذلك الضيق وإن كنت في ساعة من العيش وبحبوحة فذكرت الموت ضيق عليك ذلك الأمر ولم تغتر به. سي Tu es dans les épreuves, tu es dans les maladies, tu es dans les pauvretés, tu es euh, en train de subir ce qu'ils qu subissent les gens éprouvés comme les gens à Raza. Le fait de penser à la mort, le fait de penser à la mort, toutes ces difficultés-là, elles deviennent à tes yeux peu. Et ils te rendent les choses que, voilà, de toute façon, la mort va venir. De toute façon, ce n'est pas une vie. Éternelle, c'est une vie de passage. de toute façon, on n'est pas créé pour cette demeure, mais c'était la demeure de passage ce n'est pas une demeure de résidence éternelle, mais c'est une demeure de, de travail. ومن جد فيها وجد يوم القيامه من جد وجد اي في الاخره ومن زرع حصد celui كي redouble l'effort aujourd'hui il trouve les résultats dans l'au-delà et celui qui met la bonne semence aura la bonne récolte انت زرعت اولا توحيد وصلاه وصيام وزكاه وخلق حسن وتواضع وتركت الفواحش تحصد حصادا طيبا Semis la semence, commençons par la foi en Dieu et ses prophètes et ses messagers au jour dernier. Tu as semé la, les cinq prières, le jeûne, la zakat, si tu as un seuil. Tu as délaissé la perversité, les grands péchés. Si jamais tu tombes dans un petit péché, tu regrettes, tu te réponds. C'est la bonne semence, tu auras la bonne récolte dans l'au-delà. عن ابن عمر روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار سلم على النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اي المؤمنين افضل؟ قال احسنهم خلقا. قال فاي المؤمنين اكيس؟ قال اكثرهم للموت ذكراً واحسنهم لما بعده استعدادا اولئك الاكياس. ايضا ايضا رواه مالك. Euh, Ibn Majah a rapporté de d'Abdullah, fils d'Omar, et il a dit, j'étais assis avec le messager de Dieu, salam. Un homme parmi l'ansar est venu, il a adressé le salam. Il a dit, au oh, messager de Dieu, lequel parmi les croyants est meilleur saïdna Muhammad a dit, le meilleur par son comportement. Ça ne J'ai dit, ou il a dit, ô. Oh, messager de Dieu lequel parmi les croyants est les plus Il a dit, le plus intelligent Akyas, yani أفطن أيهم Akyas, أي أذكى من هو أي المؤمنين أكثر فطانا ذكاء أكيس قال أكثرهم للموت le plus intelligent c'est celui qui pense à la mort le plus c'est lui qui pense souvent à la mort qui pense parmi eux le plus à la mort وأحسنهم لما بعده استعدادا أي C'est le meilleur par le fait de de se préparer pour ça. تعلم انك ميت، طيب ايش تفعل؟ هيدي فرصتك بالحياه. هيدي فرصتك بالحياه ايش تفعل؟ الميت ماذا يفعل قبل ان يموت؟ يؤخر العمل الصالح ويؤخر التوبه ما بيصير لا ما صحيح ما هيك المنطق بيقول ولا هكذا الفطنه. Celui qui sait qu'il va mourir et ne retarde pas les bons œuvres. Et ne retarde pas la repentance. La repentance parce que à tout moment on peut avoir la mort, il faut se repentir avant la mort, et moi je ne sais pas à quel moment, alors je serai prêt. Et le fait de se préparer pour la mort, pour se préparer, tu dis demain je travaille, et aujourd'hui est passé. Ce jour, comment tu vas le. كي نوتر انت أيام. Tu que انت ايام يوم راح بالمعصيه اي hey. هذا كيف تعوضه un jour انت ايام اذا ذهب يوم ذهب بعضك un jour passé. Une de toi passé. الاوقات التي مضت من غير ذنوب من غير طاعات يندم عليها يوم القيامه Les moments et les heures que le croyant a fait sans agir dans le bien, même s'il n'a pas fait des péchés, mais il n'a pas agi dans le bien. C'est comme des coffres qu'on les a laissés vides au lieu de la remplir par l'or et les diamants. Alors le jour du jugement, il va regretter sur cela. فاتى بها فارغه لم يملاها فكما انك اذا فوتت ربحا في الدنيا تحزن فكيف ان فوتت ربح الاخره كما dont le bas monde si tu rates aujourd'hui un certain gain دون le bas monde et tu as raté quelque chose tu tu regrette enormement alors encore on regrette سي انا با بيان اجي بور لو دولار قال بعضهم لو قيل لي ان ملك الموت غدا يقبض روحك ما استطعت ان ازيد سختان سان A dit que s'ils me disent que l'ange de la mort va prendre ton âme à l'aube, il a dit j'arrive pas à ajouter, j'arrive pas à augmenter. Lèche, j'arrive pas à augmenter parce qu'il a bien rempli les moments, il a bien rempli les jours, il y a bien rempli les heures. Il meurt, il, il dort vraiment lorsqu'il a besoin, il n'arrive pas. Et c'est lorsque tu es dans cet état, la sunna c'est de dormir. L'homme, ma binam, il a فإذا كنت تصلي وصلت إلى حد لا تدري ما تقول، السنة أن تنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام يصلي وينام، يصوم ويفطر ويتزوج النساء، وقال من رغب عن سنتي فليس مني أي ليس من كره شريعتي فليس مؤمنا، ليس مسلما، من كره ما جئت به لا يكون مؤمنا. الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام a dit que si un parmi vous était en train de prier dans la nuit, et il est arrivé à, à se tromper par ce qu'il est en train de dire, par, par ce qu'il est en train de lire, alors qu'il arrête, qu'il dort. À ce moment-là, la sunna, c'est de dormir. Parce que tu veux dire du bien, tu vas dire du mal. Tu vas dire des choses en ta faveur, alors tu vas dire contre toi. Alors tu arrêtes et tu dors. Et Sayyidina Muhammad a .a était parmi les hommes qui priaient et dormaient. Il jeûnait et il rompait le jeûne et il se mariait avec les femmes et il a dit celui qui déteste ma charia il n'est pas avec moi c'est-à-dire il n'est pas croyant il n'est pas musulman du tout c'est lui qui déteste la charia la tijaa biha les menha fi ashih halal a ashih haram wafihah an al-insan yasoum wa yufthur wa yussalli wa vous connaissez dans l'islam, il y a des choses obligatoires, il y a des grandes obligations. Il y a des choses interdites, il y a des grandes choses interdites. Et il y a des petites choses parmi les choses interdites. et Il y a des sonanes, il y a des choses, des choses recommandées. Puis, مثلا, ila, ila toi, tu vas au travail, soit à pied, soit à la voiture. Dans la voiture, tu peux mettre le Coran et tu écoutes et tu répètes. Ou, tu أو tu tu fais le ذكر ou si tu vas à, الكريم, tu vas à pied, عندك نصف ساعة 20 دقيقة مشي في الذهاب والاياب فتقرا ورد تقرا ورد لك ورد اخواننا بتشاد dans تشاد دخل فيها الاسلام بجهد كبير من السنوسيين dans le Euh, L'islam est, est, est propagé là-bas par le, le, le groupe qui s'appelait al parmi ces gens-là, euh, Omar Al-Muhtar, il y a Mohamed qui a fait un grand travail. Mohamed Al-Sanoussi, ils étaient en Algérie, en Libye, en Mauritanie, en Soudan, euh, mais plutôt ils étaient comme ça, dans le, plutôt dans le Maghreb, Libye ou le au où ils étaient tellement efficaces par la manière de faire le dawa, le, la, raqida, la tawhid, Vraiment, ils ont fait un grand travail pour l'islam. L'islam est arrivé à Tchad. Actuellement, je dis, Tchad, des fois, il mesure la, le chemin par des trois ajza » ou quatre ajza » ou ou ils disent deux juz'o » ou trois juz'o » ou quatre c'est-à-dire celui qui est sur le chameau ou le mulet il récite le Coran de telle ville à telle ville tu peux réciter deux juz'o. de telle ville à telle ville tu peux réciter cinq juz'o. » parce qu'il profitait dans le départ et le voyage de réciter le Coran le matin lorsque tu vas au travail et le soir lorsque tu reviens, tu profites de ce temps-là avant de voir la famille, avant de rencontrer les gens. Tu te concentres soit par dhikr, soit par al Coran le Karim. Tout ça c'est dans le, euh, le fait de se préparer pour le jour dernier et avoir une bonne provision et... أرى معك شيء حقير الحسنات أن يكون معك زاد كبير أن يكون معك شيء ثقيل في ميزانك يوم القيامة إما أن تكون ممن يقرأ القرآن في ذهابه وإيابه وإما أن تكون ممن يكثر من قول سبحان الله وبحمده أو من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أو من التهليل أو قول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر هذه الكلمات الأربع هي خير الكلام على وجه الأرض سي ميور بارول سي سا سي لا إله إلا الله سي لا ميور مي سا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لما يغسي لا إله إلا الله بي أبقي سبحان الله بي أبقي الحمد لله بي أبقي الله أكبر ولا بأس أن تقول ولا حول ولا قوة إلا بالله لو ولا حول ولا قوة إلا بالله انكور سي uh, من الأشياء من الذكر العظيم Faïdan, le alayhi wa lorsqu'il était questionné lequel des croyants est le plus intelligent, il a dit celui qui se rappelle de la mort, il pense à la mort le plus, et celui qui est le meilleur dans le fait de se préparer pour la mort. Il a dit, ou al ce sont les intelligents. Ce sont. Lorsque tu penses à la mort, tu penses que je, je quitte. Benayit Qasr, tu as construit. Oui, mais l'habitation c'est dans la tombe. Ici, tu habites quelques jours ou quelques mois, je ne sais pas. Tu as construit un château, c'est pour quelques jours ou quelques mois ou quelques années. Mais dans la tombe, tu es jusqu'à l'heure. Et cette tombe, chouf tout. Il y a un homme qui a un bateau. Il y a un qui a un bateau. 70 mètres carrés, 70 mètres carrés de la chambre. C'est-à-dire Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui a une maison 70 coudées de longueur, 70 coudées de largeur, avec une lumière comme la pleine lune. Je vois des châteaux, mais il y a plusieurs chambres. Mais la chambre, ce n'est pas 35 mètres sur 35 mètres. Cette mosquée-là, on a, je pense, 27, comme ça, 27, et par la longueur, une 21 ou quelque chose, de l'autre côté. Ce n'est pas 35 sur 35. Ce n'est pas 35 sur 35. La tombe, elle est comme ça pour les pieux. La tombe, elle est comme ça. Alors, comme tu te fatigues pour construire euh, la maison sur la terre, fatigue-toi pour construire la tombe qui est sous la terre dans laquelle tu vas rester jusqu'à l'heure. لما يبلى الجسد تذهب الروح إما إلى الجنة وإما إلى النار. Une fois que le corps est rangé, désintégré, alors l'âme paradis ou وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الكيس الفطن من دان نفسه اتهمها وحاسبها L'intelligent, c'est celui qui se reproche, qui fait l'autocritique, qui se juge et qui n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Il est toujours, il se voit petit, il veut faire plus. C'est l'intelligent. Il se juge et il voit qu'il ne fait pas assez. Il se reproche afin de faire mieux, de

Le, la sauvegarde, mais tu n'as pas pris le chemin de la sauvegarde, c'est un peu bizarre et étrange. Le bateau ne navigue pas sur la terre, il faut avoir de l'eau. C'est lui qui veut le paradis alors qu'il prend le chemin de l'obéissance et. Les de l'Ankhira. Parmi les choses les plus importantes pour celui qui cherche l'au-delà, qu'il soit entouré par ceux qui aiment Allah subhanahu wa et qui parlent souvent de Dieu et de l'au-delà. min kalam dunya. Ne prends pas en compagnie une personne qui parle souvent de ce bas monde et qu'il est tout le temps en train de parler de ce bas monde. Il ne parle pas du jour du jugement, il ne parle pas de la mort, il ne parle pas. De, du paradis et de l'enfer, il ne parle pas de la mort et ce qui est dans la tombe. Ne prends pas celui-là en compagnie. Hada <inaudible> Hada <inaudible> Celui-là, il te rend distrait. el <inaudible> Si tu tiens compagnie des gens qui aillent dans la désobéissance, il y a un risque que tu les suis no ibn Adam, le fils de Adam est influencé par ceux qui les fréquentent. C'est une parole qu'ils ont entendue peut-être de certains euh, savants. Tiens compagnie des pieux, tu y arrives par la suite à la piété.

واحد بيقول لك روح على المسجد درس وصلاة واحد بيقول لك روح نشرب فنجان قهوة على البحيرة شو بك واحد بيقول روح نحفظ قرآن واحد بيقول لك روح نضيع أوقات الوغ كيلكان يقول دي فيان اون فا القرآن الوغ يقول دي فيان اون فا مارشي دون لي مونتاني وقوله عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه من اللذات كلام مختصر ولكن بالغ في الموعظة بالغ في الموعظة لأنه ينغص عليك اللذات التي أنت فيها C'est une parole très bref mais c'est une parole très touchante parce que si tu es dans un grand plaisir en pensant à la mort alors ce plaisir sera étouffé que tu vas pas être dedans Ahbèb manchètafänna kamufarika aime que tu veux tu vas le quitter soit il meurt avant toi ou tu meurs avant lui Ahbèb manchètafänna kamufarika lidul el-mout wa abnul el-qarab fa kullukum yaciru ila al-turab enfanter ramenez des enfants construisez oui mais tout ça c'est pour l'annihilation lidul el-mout wa kharab el-qarab c'est pour la mort construisez pour les ruines kullukum yaciru ila al-turab vous allez être tous dans ce trou qu'on le nomme la tombe quand il va au cimetière pour méditer ibn Omar ou il regarde il dit, mais tu es restreint. il regarde mais tu es sombre parce qu'après on ferme il n'y aura plus de lumière sauf lorsque Ta'ala élargit ses tombes et le met, il, et il met une lumière alors il dit tu es restreint tu es sombre et tu voilà et je jure par dieu si je reste vivant tu vas voir qu'est ce que je fais pour toi il sort de la de cimetière et son état est complètement à changé حال من في القبور فيتعرض اليه العبيد les esclaves ils se mettent devant lui les esclaves ils se mettent devant lui اذهبوا فانتم احرار allez-y vous êtes libre allez-y vous êtes libre لانه خرج يريد ان يستعد الموت ومن اعتق عبدا اعتق الله منه كل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه dans le hadith celui qui a franchi un esclave Allah l'affranchit lui-même de, 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 de feu, de l'enfer. Il a dit, chaque membre par un membre, même son organe génital contre son organe génital. Tu as affranchi un esclave complet qui n'a pas de défaut. Toi-même, tu seras affranchi du feu. Alors, ils il savaient que leur maître, lorsqu'il sort de la tombe, son état, il n'est pas comme lorsqu'il est rentré. Et par la suite, il dit, voilà, vous êtes libres. لأن يكون معتقا طلبا أن يكون معتقا من نار جهنم كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء والعلماء ويذكرون الموت ويكون حتى كأن بين أيديهم جنازة كل يوم لو عمر بن عبد العزيز الغيون للصفون الغيونيسي الفقهاء Il parlait de la mort, il parlait اي بلوغ، كوم سيليا هناك لور في شيء عند الصوفية النقشبندية بقول لك رابطة الموت، أي تفكروا بالموت يرحمكم الله، فبصير الواحد بيتفكر هو إذا مات كيف يضعونه على الخشب، كيف يطلبون الأكفان. من سيغسله؟ كيف يكون حاله ضعيف؟ لا يتحرك لا يمين ولا شمال يقلبونه بعد ذلك كيف يضعون القطن في عينيه وفي انفه وفمه وبين أليتيه وبعد ذلك يضعون فيتفكر الانسان بالموت فيتعظ هذا امر مهم جديد بوكون نسي دون طريقه voilà on ذكر، le ذكر لا اله الا الله كون الطريقه الرفاعيه والصلاه على النبي والاستغفار Il y a quelque chose dans Tariq al-Naqshbandiya euh, lorsqu'ils faisaient le dhikr une fois par semaine ou deux fois par semaine et ils éteignent la, la lumière, ils leur disent celui qui dirige maut", le moment de penser à la mort. Pensez à la mort que Allah Taala soit clément envers vous et chacun alors il il commence à réfléchir et à penser si je meurs comment ils vont faire. Ils vont pleurer, ils vont me mettre là sur le lit. Après, les gens autour de moi, ils pleuraient. Là, l'épouse, on a besoin de toi. Les enfants, ils sont là. Et puis après, certains disent voilà, enfin, il est mort. On va prendre son héritage. Enfin, il est mort. On fait ce qu'on veut. Par. Bah. Euh, après, ils pensent lorsqu'il va être dans les linceuls, lorsqu'on va faire la toilette mortuaire, dans certains places, on met le coton, on le porte. Dans les, le cercueil, on le pose. Tout ça, il est en train de penser à ça et penser à ça jusqu'au qu'on le met dans la tombe. Et ils reviennent et là, les deux anges Munkar vont venir. Et les deux anges Munkar vont venir pour lui poser la question. Comment il va répondre? Lui, il est en train de penser à tout ça. La hava يؤثر شيء يؤثر على قلبه للخير c'est une chose qui est bénéfique pour le cœur de cette personne c'est une chose qui est bénéfique pour le cœur de la personne قال بعضهم اذكر 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 الموت هاذم للذات وتجهز لمصرع سوف ياتي pense à la mort qui domine et qui maîtrise les les plaisirs et prépare-toi pour euh, un état ou un cas qui va venir, c'est-à-dire la mort. Et quelqu'un, il a dit, pense à la mort, tu trouves un repos, tu te, trouves dans un, tu, tu te sens bien, tu te sens bien. Fille, par le fait de penser à la mort, tu ne seras pas dans, ce, dans la l'espoir de vivre longtemps et retarder les actes de bien et retarder la repentance non yallah de maîtriser les enfants parce que c'est trop c'est pas la garderie là haut ni en bas fi zikr al taqsir والأمل يعني الذي عنده أمل هو من أخطر ما يكون أخوف ما يعني ما يخاف علينا اتباع الهوى وطول الأمل les choses qui ont un grand risque pour la vie d'un musulman pour l'état d'un musulman les deux choses qui ont un grand risque le fait de suivre ton ego et le fait d'espérer de vivre longtemps pourquoi لأن اتباع الهوى يصد عن الحق suivre ton ego Il va t'éloigner de la vérité. Il, il suit ce que il, il, son égo souhaite et aime. Il va dire que son égo souhaite et aime. Dans les années, on dit que c'est Celui-là, il est sur la vérité. Et celui-là, il n'est pas sur la vérité. Tu dis oui, mais celui-là, je l'aime. Et l'autre, j'ai de la haine. Alors, je suis avec celui-là. alors, tu as suivi ton égo. C'est ce tu بيقول هذا على الحق وهذا على الباطل تقول أنا هواية مع أهل الباطل كيف مثلا الميناوي أو هدول الجماعات من أهل الباطل بعض الناس ماشي مع الهوى بيعرف أن الحق هو هذا ما قاله شيخنا في المسائل الكثيرة هذه الحق هو ما قاله شيخنا لكن يمشي مع الهوى وأحيانا بيكون هذا الهوى لأنه في وراء مال دي فوا ليغو افيك ليغو وهيك بدي أعرض على شيء كثير من المفتين في العالم الإسلامي بوكو بارمي لي مفتي دون لو إسلاميك من الصين وطنجة والغرب بوكو دو سي مفتي الوهابية اشتروا سكوتهم بالمال أو بأن يعرضوا عليهم الحج الحج والعمرة بالمجان بوكو بارمي نو مفتي إذا La wahhabisme, si on revient 70 ans en arrière, dans la ville de Madinah ou c'est quelque chose de très peu. Si on revient 70 ans en arrière, a 300 ans maintenant. A peu près, Ibn Abdel Wahhab et la fitna, ça fait 3 siècles. Mais si on revient seulement 70 ans en arrière, leur nombre est une très très minorité. Même à la Madinah ou à Mekka, ils n'étaient pas, même pas 12%. À Mecca ou la Medina n'étaient pas 12%. Ils habitaient à Najd, la place du corne de diable. C'est là où le sort le diable, le grand diable, la vallée de l'Fitan, Wadi al-Mu'amarat, Wadi Moussaylim al-Kadhab, Wadi Shayatin wal afarit C'est là où les grands problèmes sortent pour cette communauté. 70 ans, après 70 ans, ces gens-là, et leur nombre a augmenté. Ils ont acheté le silence des savants de cette communauté par le fait de leur proposer le Hajj, le Umrah et des choses pareilles. Ils ont continué toujours à propager leur égarement. Alors, beaucoup, j'ai dit, de, des gens qui ont suivi leur ego. Eh, hey, on va au Hajj gratuit. On va au Amra gratuit. On est le, les invités du roi. Mais toi, toi, tu dois ordonner le bien et blâmer le blâmable. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Mafa lou. Mafa lou, l'abisham, l'abel herak, l'abel ordon, l'abel falastrin, l'abel yamah. Ils n'ont pas, pas fait. À tel point que Al wahabia se sont propagés dans plusieurs pays. Tout ça, ça revient à suivre l'ego. Le fait d'espérer de vivre longtemps, ça te fait oublier l'au-delà, ça te fait oublier la mort. Si la personne a oublié l'au-delà, si la personne a oublié la mort, si la personne espère de vivre longtemps, alors tu le vois elle est plongée dans le haram loin de l'obéissance alors ce sont deux choses dangereuses at et ittiba' al-hawa wa tul al-amal hala anta shu btaqul kan wahid min as-sahaba un compagnon qui s'appelle Irbad il disait Oh mon seigneur fais-moi mourir sans avoir la fitna allahumma aqbidni ilayka ghayra maftoun faja'ahu malak bi surati bashar un ange est venu sous l'aspect d'un être humain et lui a dit ne dis pas ça il a dit qu'est-ce que j'ai dit au mon neveu parce qu'il pense que c'est un être humain jeune son père c'est son frère par l'islam qu'est-ce que j'ai dit mon neveu dit oh Allah fais que mon acte soit bien jusqu'à le terme que tu as prédestiné il a dit fait que mes actes seront bien jusqu'à la terme que tu as prédestiné. fa-fari-habidzalik il a aimé il était content farcar le main ent il a dit qui es-tu allahu anrata il alladiya sollo alhosna minkul bi awliya allah jasu alhata il qui fait qui enlève la tristesse et la, le malheur de, du cœur des pieux des cœurs des saints et des pieux il était éprouvé il a vu beaucoup de fitan il a vu comment certains ils s'entretuent pour dounia pour le pouvoir il a souhaité la mort avant d'être dans la fitna et l'ange lui a dit telle parole allahumma ahini khayran li تي دومون الله تعالى كيل ان لونغ في افيك لوبييسونس سي لا في اي بيان بور توا دونتا ريليجيون او الله في دون موا لونغ فيي دون لانه اذا طال عمرك وحسن عملك ففي كل يوم خمس صلوات وفي كل سنه صيام رمضان وفي كل يوم ايضا من الاذكار ومن صلاه الجماعه ومن زياره الاخوان Si tu as une longue vie et toi tu es parmi ceux qui prient, chaque jour il y a cinq prières, chaque année il y a le jeûne, euh, chaque jour il y a tant de zikr il y a visite pour tes frères, il y a tel acte de bien, alors il sera aura un, un accumul, une accumulation dans le bien pour toi, le fait de vivre longtemps. Alors, alors, si on veut parler maintenant dans le sujet de la mort, sache que la, les douleurs au moment que l'âme quitte le corps, ce qu'on dit « sakaratul maout », les douleurs au moment que l'âme sera prise par l'ange de la mort, c'est la douleur la plus intense, la plus dure que l'être humain peut avoir. Et peut-être le croyant trouve, avec la mort, la, la sortie d'âme, il trouve des douleurs et des douleurs et des douleurs tout en étant content. Qui fait tout en étant content des, des douleurs intenses et il est très content. L'an al malik parce que l'ange de la mort, il lui a annoncé le paradis et l'agrément de Dieu. Il lui a annoncé le paradis et l'agrément de Dieu. Alors là, maintenant, s'il y a la douleur, comme on dit, équivalent à mille coups d'épée en même temps, l'âme qu qu qu'on ne connaît pas. C'est quoi Lorsqu'il te questionne au sujet de l'âme, dit que c'est Allah Ta'ala qui sait la réalité de l'âme et vous, vous n'avez pas assez de connaissances, que peu à ce sujet vous n ou, ou à autre, vous avez peu de connaissances. Mais lorsque ça sort, certains ont décrit comme une, une branche. Plein d'épines et qui est dans tous les veines du corps. Et quelqu'un très fort l'a tiré. S'il y avait dans un seul veine, un branche des épines dans un vein Et puis un ange l'a tiré fortement. Il y a une grande douleur. Que dit-on s'il est dans tous les veines. Et ça sort d'un coup. Mais avec cet algème, takfir dhunoub wa huwa farih. Alors il y a avec ça cette douleur intense, il y a les pardons de certains péchés ou des degrés. Aw bikun huwa ma andu dhunoub, ghufrat lahu fa Alors il y aura des degrés en plus. Wa comme kama qulna bushr bil janna fa huwa farih. Alors il a annoncé le paradis, alors il est très content de cela. Mais هذا الحدث ساس لو مومون هذا الحد الفاصل بين الدنيا والاخره سي لا اونتر اي هذا الحد الفاصل اما ان يقال ابشر برضوان الله واما ان يقال ابشر بسخط الله وغضبه ومن هنا تبدا اما السعاده الابديه واما العذاب Et de là commence soit le bonheur éternel, soit le malheur éternel, soit le bonheur éternel. Bon, certains, ils peuvent avoir, parce qu'ils sont décroyants mais désobéissants, et que ce n'était pas facile pour eux dans la tombe ou dans l'au-delà, le, le, mais après ils vont sortir de, de l'enfer. Mais, comme je disais, c'est la première porte parmi les portes de l'au-delà, la mort. le, shaytan, le shaytan, il, il, il est là, il est présent, il essaie de faire tout pour que la personne quitte l'islam. Il dit, rentre dans telle religion pour que tu seras sauvé. Fais telle chose pour que tu sois sauvé. Il ونحو ذلك وهو في هذا الالام الشديده والشيطان ياتي يقول ان فعلت كذا تنجو ان فعلت كذا تنالك الرحمه تصيبك كذا الله يثبتنا عند الممات نسال الله تعالى الثبات عند الممات بس كوم جديد الشيطان غدو باللي فوغ اومومون دو لا موغ الله سبحانه وتعالى دو نو dans دون لا بون فوا بعض الاحيان Ça a été rapporté dans le hadith que si un de tes proches, un de tes amis en train de mourir, a venez, venez vers lui, soyez à côté de lui, et ça lui donne un renfort, ça lui donne une certaine euh, apaisement, tranquillité. Et tu, tu parles devant lui, la ilaha illallah, indirectement, indirectement, le tu ne vas pas le secouer et lui dire, dis la ilaha illallah, vite fait. Ah, tu dis par exemple, la ilaha illallah, sans adresser la parole à lui-même, lui, il va entendre. الله rasulallah, الله عليه وسلم من كان كلامه jannah, par exemple, tu dis comme ça, tu cites le hadith. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه سلوى دون لا ديرنير بارول اي لا اله الا الله اغاء باراد لوي لونتون دبهت لوي لونتون اي لو الله سبحانه وتعالى يسهل عليه اذا شاء ربنا يسهل عليه لكن بعض الاحيان بيكون حال الانسان كما قلت غافل دي فوا لا بيرسون دون الغفله 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 فبيقولوا له لا اله الا الله فبيقول ب 11 ب 12 و 12 ونص لا بثلاث يعني لانه كان يشتغل سمسار بالربح ستي كيلكان كي ترافاي ان انترميديير دون لا فونت اون لو دي دي لا اله الا الله ال ديز نو ا 11 ا 12 ا 13 وعاد يقول لا اله الا الله بيقول الفجل بهالقد والبصل بهالقد ال دي غادي ا تيل بري لونيون ا تيل بري وعاد بيقولوا له قول لا اله الا الله هو يقول يا رب قائلة أين الطريق إلى حمام من جابي هذا شو قصته هو عند الموت كان عم يقول هالكلام ألا يا رب قائلة أين الطريق إلى أين الطريق إلى حمام من جابي هذه امرأة شابة إن جن في الشيخ شيلا لو حمام كون فو كونيسي لو بان مور إل في دي جور بور لي فام دي جور بور لي زوم أو دي حمام أليبوك كو Et elle demande où il se trouve le hammam. Et il y avait quelqu'un, sa maison est... Et là, sa maison ressemble à un bain mort et sa porte... Il a dit, c'est là, c'est ici. Il l'a fait rentrer à la maison et il a fermé la porte. La femme, elle s'est trouvée dupée que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le hammam. C'est un homme euh, capable. C'est des gens qui sont capables de, tuer, de, de faire la fornication et tuer. Ou de violer, par exemple. Ou, par exemple même violer et tuer. Comme certains voleurs, ils volent et si tu bouges, ils te tuent. Ou des fois, ils tuent, puis après, ils volent. Il y a certaines qui, qui commencent par le fait de tuer et après, même certains malades, ils tuent la femme, après ils la violent. Cette femme a senti qu'elle a été rusée, dupée par cet homme. Elle lui a dit, mais si tu me dis ça, mais maintenant, comment on va être dans... Ensemble, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas des, des choses à manger. Il faut euh, que tu nous remplis, tu nous ramènes des choses pour le et, et qu'on trouve un certain plaisir en mangeant. Il était tellement pris que cette femme, d'après lui, a accepté de passer, de rester avec lui et seulement elle demande alors il, est, il, a, il, a, il a dit l'un je les ramène maintenant je vais les chercher et il est sorti de la maison en train de chercher les fruits certaines choses qu'on mange et puis il est venu il a trouvé la porte fermée et ouverte et la femme n'est pas dans la maison alors il est devenu comme un fou et il disait il répétait Ala ya اين الطريق الى حمام من جابي الديسا جوسكا لا مور او مومون دو لا مور يل دي ساي سا. هما بيقولوا قل لا اله الا الله دي لا اله الا الله الوي الدي تالفامكي دي, فام دي نسال الله السلامه نسال الله السلامه والعفو والعافيه قال له واحد تقول له لا اله الا الله بيقول انتبهوا على البقره الصفراء انتبهوا على الارض الفلانيه On lui dit, fais attention, la mort, Il dit, oui, mais prenez soin de, la, de telle vache, prenez soin de tel euh, terrain. Alors il arrive, tu n'auras plus de repos. Il va te, Comment on dit, il te prive de ta force et il, il va t'affaiblir et il va détruire tes, tes membres, tes organes, ta force. Euh est, tu vois l'ange de la mort et ceux qui sont avec l'ange de la mort. Soit il vient avec un aspect qui fait peur et effrayant. Et il vient avec lui les anges du châtiment. Il le, il, le, il le frappe sur son visage et sur le dos. Les anges du châtiment. Ou il y a des anges du clémence qui sont beaux comme le soleil. Et lui-même il vient avec un très bel aspect. Ou lui-même, il vient avec un très bel aspect. Il a dit, telle personne est venue, telle personne est venue. Il était tellement content, tellement à l'aise, tellement souriant, tellement dans un très bon état. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui, qui le, le voient. Qui voit l'ange avec un bel aspect il voit les anges du clémence et ils sont beaux alors il est très content par cet aspect il est très enchanté il est très content prend l'âme du elle nous a dit, dans quel aspect tu viens pour le croyant, dans quel aspect tu viens pour le mécréant. il lui a dit, voilà, Ahmed ferme tes yeux, il lui a montré comment il vient pour le croyant. C'était très beau. Et pour le mécréant, elle a dit, Ibrahim, Allah, il a dit, s'il n'y avait que ton aspect comme ça, c'est quelque chose de suffisant, effrayant, c'est quelque chose de très fort. Si seulement l'aspect. Et, Baden, la maïkbidurrouh, c'est lorsqu'il prend l'âme de, 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 de ce mécréant, c'est-à-dire quelque chose du poil qui est riche et, et l'âme qui a une mauvaise odeur, et sera mise dans cette dans ces tissus qui sont en poils qui sont comment on dit rêches qui sont durs avec un mauvais aspect et les anges du clémence et les anges du châtiment qui viennent qui leur aspect encore qui est effrayant qui fait peur et ils leur annoncent l'enfer et le châtiment de Dieu oh le amalekan amalekan baiden Biden شو بتعمل له الطيارات شو بتعمل له الغواصات شو بتعمل له الجيوش ماذا تفعل له مع ملك الموت مم سي سي ان اه نوم ان جوست كوم نتنياهو اي بايدن دي كريمينال 17 الف طفل ما عم بيحسوا بلا احساس دي ست ميل انفان سي كوم ان نون ريان في والغرب ساكت مجرمين عتاد ظلمة دي جرون كريمينال دي جرون كريمينال 17 الف طفل 000, emraies, ,000 Tout ça, et comme ils n'ont rien fait. qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour lui Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour lui les, 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 les chars, les, les, les avions, les sous-marins, les grands bateaux, ou ceux qui ont applaudi pour le criminel, qu qu'est-ce مع ملك الموت هدول بيمشوا كل هؤلاء بيمشي حالهم ملك واحد لو سلطه الله على اهل الارض لاهلكهم ان انج اي كابابل دو بروند فيكتوار تو لي جون دو لا لكن الله امهل هؤلاء ولم يملهم الله ادوني ان ديلي ا تو سي جون لا الله اكبر بعدين انت لما تصير بالتراب لا شباك Tu n'auras pas une fenêtre et il n'y a pas quelqu'un qui te rend visite. Ceux qui viennent au-dessus de la tombe. Yani. Oui, des fois il y a des gens qui viennent. Ils ne descendent pas. Madagascar, il y a une sorte de. Je ne sais pas de quelle religion à Madagascar. Ils font un tuyau depuis là-haut jusqu'à la tombe. Et ils lui mettent des bananes, des oranges, des pommes, des fraises. Bah, <coughs> c'est là tout le compost, tout ça, ça donne une fertilité en bas. Mais parce que le mort, il va manger quoi Des bananes Il va manger des pastèques Après, les gens, ils passent au-dessus. وبعض الاحيان تقلب دي فوا لا تغني بيقلبوها اليهود ضربوا حتى المقابر وهذا شيء كررناه قلته واعيده جنكيز خان وهولاكو والنمرود وفرعون انا ما انتوندي دي جون كي اتاكي لي ما سمعنا حدا كبيهجم على الموتى <applause> يا اخي موتى ما تحت الارض بيجمع عليهم بيجرفوهم لا يريدون ان يبقى لاهل غزه حتى الاموات في القبور يجرفونهم يجمعونهم اكوام اللي اللي prennent par les les chars ou على كل

Sayyidina Ali on lui a donné un carafe de de, de Il a dit, Allahu a combien il y avait des, dans, dans celui-là des, des yeux, des beaux yeux d'un homme, d'un jeune qui avait les beaux yeux, ou quelqu'un qui avait les joues très lisses. Aydan,

Pour quelle chose, pour quelle raison vous faites ce problème entre vous Moi j'étais un roi parmi les rois. J'ai gouverné tant d'années. Puis après je me suis mort et je suis devenu de la terre. J'ai resté mille ans de, dans cet état. Puis après ils ont pris de la terre et ils ont fait de l'argile. Ils ont fait. Un, un carafe d'eau ils m'ont utilisé jusqu'à j'ai été cassé puis après je suis revenu vers la terre et j'ai resté à peu près mille ans un autre homme m'a pris et il a fait une brique il m'a fait deux briques et ils ont pris de, de cette terre avec les excréments des vaches, des animaux en mélange et puis après, ils m'ont fait un brique et ils m'ont mis dans cette, dans ce mur. Alors pourquoi vous faites telle dispute? C'est-à-dire, vous allez être comme moi et vous allez mourir comme moi et vous allez être de la terre. Tu n'as pas été vers la tombe. Lorsqu'on ouvre, on ne trouve personne. Vingt ans en arrière, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Il, quelqu il est parti. Il n'y a plus rien. Tu es sur la terre, tu es vivant, tu es sur la terre, tu on n'a pas encore porté On n'a pas porté ton corps vers le cimetière, le carré islamique à Lausanne, qui est déjà plein. Moi, je me rappelle très bien, au début, on a commencé par un ou deux, un ou deux, trois frères. Maintenant, il reste peut-être encore vingtaine de places et maintenant, il est plein. Il est plein, presque plein, le, le cimetière, le carré, on dit carré islamique au cimetière. Alors, tant que tu es vivant, profite dans les bonnes œuvres avant que tu sois sur la terre, avant qu'on te porte. Abel, ma fille, il n'y avait pas des frères. Le Hajj Abel qui était là, le Hajj qui était là-bas, le Hajj Amir qui était là-bas. Ahuna Walid qui était là, Walid euh, voilà, on peut compter, on peut compter. Hajrene qui était dans une chaise comme vous ici, il y en a beaucoup parmi les frères qui étaient avec nous et ils sont dans le cimetière là-bas, sont dans le cimetière. Qu'est-ce que tu attends pour redoubler l'effort Pour redoubler l'effort tu attends la mort. La leçon sur la mort, on va le continuer, inshallah, la semaine prochaine. Parce qu'il y a des gens, parce qu'on va parler maintenant de l'état. Une fois que l'ange arrive, on le met dans la tombe, qu'est-ce qu'il voit, l'âme elle est où. Mais parmi les choses qu'on va dire aujourd'hui, que l'âme au-dessus de, de du cercueil, al-rua fawka, a nache. Celle qui dit avancez-moi, parce qu'on lui a annoncé la bonne nouvelle, l'agrément de Dieu et la récompense, avancez-moi. Et l'autre dit reculez-moi, reculez-moi, parce qu'on lui a annoncé la mauvaise nouvelle, on lui a annoncé le châtiment. أنت عائش الآن أنت حي يعني أنت الآن بتقول أستغفر الله من كل ذنب فعلته فإن قلت هنيئا لك أيها العبد سي تي دي أستغفر الله العظيم من كل ذنب فعلته هنيئا كل بون نوفيل الله تعالى أدي غيدي تون كور أدير أستغفر الله دو تو بيشي كو جي في جو في بلو جامي تيل شوز سي لو مومون دوفرير اون باج دون لوبيسونس بتاتر لو سواغ ميم تي فا موغيغ يمكن هيدي الليله بتموت حتقولوا لي هنية كان حاسب حسابه انه هو هلا نايم بالاوتيل والعبوة ناطرته ما كان حاسب هلا ما عم نقول الزلمة انه منه مليح ما عم بتكلم على الامر بس يعني احيانا الانسان ما بيخطر بباله ان الموت في هذه الليلة دي فوا تو دي جو في الي ان اوتيل دو

Comment tu veux me marier avec moi Toi tu es chrétien, toi tu es musulman et je suis chrétienne ma famille ne va pas accepter. Si tu embrasses le christianisme, je regarde dans mon état. Et il a dit je, je, je rentre dans le christianisme. Alors si c'est le cas, sera accepté. Alors, pendant qu'il était chez eux, il n'a pas vécu avec cette femme, il a, il a monté sur une toiture et il est tombé et il est mort. Il n'a pas pris la il a été, il a monté quelque part et il est tombé et il est mort. Alors, il n'a pas pris la femme dans la dunya et il n'a pas. Et n'a pas resté sur l'islam... Et il est mort en dehors de l'islam... Encore il y avait des choses étonnantes... Comme l'histoire d'Ibn Saqqa... Ou d'autres... Qui ont eu des choses... En nous. Il y avait quelqu'un qui en descendant... En descendant... Il lui a dit... Tu quittes l'islam J'accepte... Il a dit je quitte l'islam... En descendant il est tombé... Et il a cassé son cou et il est mort... الحاصل الحاصل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالموت واعظا سفي لاموغ كوم كونسي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لا يعمل الزمان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها des fois la personne il agit et il travaille il travaille par les choses qui ramènent au paradis mais avant la mort il fait les actes qui ramènent à l'enfer où il quitte l'islam et il meurt dans cet état et il va à l'enfer alors il y a des insan le raison que l'homme masjid il est en train d'appeler il est en train de lire le le rahman des fois, la personne, dans son aspect, il fait la prière, il lit le Coran, il fait le Zikr, il vient à la mosquée, il donne des leçons, il apprend des leçons, mais tout ce qu'il le fait, il le fait avec une intention à l'envers. Il le fait avec ostentation. Il le fait choufoune, ou ou Il le fait regardez-moi, admirez-moi, gonflez-moi, regardez-moi comme je suis grand. Il le fait avec orgueil et ostentation. Et envie, il envie celui-là, il est jaloux de l'autre, il cherche les défauts des autres. Un grand risque de mourir sur la mécréance. من أخطر الأسباب للموت على الكفر هو معاداة الصالحين parmi les choses qui sont très dangereuses qui peuvent amener la personne à la mécréance le fait de prendre أولياء الله كم إنمي أن يتخذ أولياء الله عداءً وهم أولياء الله وأحبابه كثير من هؤلاء تسوء خاتمتهم بوكو parmi ces gens-là auront une mauvaise fin أنت إذا أحببت الله أحببت أولياءه وكرهت أعداءه وليس العكس lorsque on aime Allah on aime les agréés par Allah les pieux qui aiment Allah et on déteste les ennemis de Dieu عز وجل نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وانصر اخواننا في فلسطين وثبت اقدامهم يا رب العالمين وانتقم من الصهاينه المجرمين اللهم انا نجعلك في نحورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انت القوي ونحن الضعفاء فانصر اخواننا عليهم اللهم مزقهم شر ممزق انك على كل شيء قدير اللهم ارنا قدرتك فيهم فانهم طغوا وتكبروا وتجبروا وظلموا وقتلوا النساء والاطفال والابرياء اللهم شمت بهم الاعداء اللهم شمت بهم الناس يا رب العالمين اهلكهم واهلك اعوانهم واهلك من يعينهم إنك على كل شيء قدير، اللهم اضرب الكافرين بالكافرين، واخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. وارزقنا يا ربنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم حسن العمل وبلغ الأجل، اللهم حسن العمل وبلغ الأجل، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. اللهم اجز عنا أصحاب الحقوق علينا خير الجزاء. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا من انبيائك، واجز عنا اصحابه واهل بيته خيرا، واجز عنا مشايخنا خيرا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا. اللهم رفعنا اليك اكف الضراعه انت الاله العظيم انت الرب الكريم ونحن الفقراء الضعفاء نحن المتلوثون الخطاؤون المذنبون نقر بذنوبنا نعترف بخطائنا ونعلم انه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا يا رب العباد واسترنا يا ستار العيوب وارحمنا يا ارحم الراحمين واكرمنا بالشهاده يا اكرم الاكرمين وانتقم ممن ظلم اهلنا في فلسطين انك انت العزيز القوي الجبار المتين. اللهم احينا على على الايمان وامتنا على الايمان واختم لنا بالحسنى انك على كل شيء قدير والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.